Ici, je suis chez Kunsu. C'est un restaurant typiquement thaï que j'adore. Elle va me faire un poulet sauté à sa façon à elle. Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, je partage avec vous une de ces délicieuses adresses dont la Thaïlande a le secret. Je suis chez Su. Elle propose des plats délicieux. Vous pouvez également commander à distance, notamment par différentes applications comme Foodpanda ici. C'est parti! En fait, quand je viens là, je lui dis tout juste ce que je veux et en fait, elle me connaît, elle connaît ma résistance au spicy or not. Je peux manger très épicé sans problème, mais je fais attention à mon estomac pour pouvoir en manger dans la durée. Elle est avec sa fille là. C'est un tout petit restaurant. Voilà, une de ses spécialités, c'est le pad kapra au mou, qui est un plat délicieux, très épicé. Et là, le monsieur vient de commander ce plat-là. Elle a demandé s'il le souhaitait avec un œuf au plat par-dessus ou non. J'ai demandé à ces personnes si elles voulaient bien que je les filme. Pad kapra au mou, Nimai. Pad kapra au mou. Voilà, justement, le pad kapra au mou, super épicé. Le vert et le rouge que vous voyez, c'est du spicy. Pet mac. Pet mac mac. Vas-y. Chaika. Alors, mac mac. Son mari est en train d'arriver. Il est allé faire les courses au marché. Alors là, il est un peu tôt. Hein. Il est 11h30. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé un takeaway pour l'amener à la maison parce que c'est trop tôt pour moi pour manger tout de suite. Mais comme je passais par là, vraiment, quand je suis ici, je tiens absolument à manger cette délicieuse cuisine. Elle est en train de faire sauter du porc. Le rice cooker est plein. Pendant ce temps, sa fille est en train de faire des œufs au plat. Alors voilà comment on fait des œufs au plat en Thaïlande. En fait, on les fait frire dans de l'huile. Ça donne un goût vraiment délicieux. Un peu arrangé leur cuisine parce qu'avant c'était tout petit et là maintenant elle s'est vraiment professionnalisée. Il y a 1, 2, 3 feux qui sont prêts. Et alors ici il y a une particularité, c'est cette soupe qui est vraiment délicieuse, façon street food. Je ne sais pas si je vais avoir la décence de vous parler des prix, ils sont affichés ici. Alors le plat dont je parlais tout à l'heure, le pad kaprao, il est ici, ça coûte 60 bahts. 60 bahts, c'est moins de 2 euros. Si vous voulez un œuf au plat par-dessus, c'est 10 bahts de plus. Et elle fait aussi, ça je pense que c'est le pad siu, pas sûr. Elle fait aussi un plat qui s'appelle Kai Pad King, qui est un poulet sauté au gingembre. C'est un pur délice, mais elle n'a pas toujours de gingembre. Alors, quand j'ai une vraie envie de ce plat-là, ce que je fais, je viens avec un morceau de gingembre, comme ça elle me le fait spécialement pour moi. Donc là, elle est en train de faire justement un pad kapra au mou, tap tap. Ces plats sont généralement servis avec une petite soupe. Donc la petite soupe que je viens de vous montrer. Et lorsque vous commandez un plat en takeaway, eh bien on vous met un petit peu de soupe avec quelques aromates, des germes de soja, ça c'est du chili, et une louche de soupe avec du navet dedans. C'est un régal. Quelquefois quand je mange ici, je demande un petit supplément soupe parce que c'est un régal. Un petit clin d'œil à mon ami Joel qui avait envie de voir de la délicieuse cuisine thaï. Et bien là, tu l'as en direct. Un peu de piment, quelques légumes, la sauce poisson, la sauce soja, la sauce à l'huître.
Ça fait maintenant 5 ans que je viens manger dans ce restaurant et j'ai toujours le même plaisir. Je me régale. Ça sent de tous les côtés. Là, c'est une commande Food Panda qui vient d'arriver. Il y a un récepteur ici et ça sonne dès que la commande arrive. Le système imprime automatiquement la commande. Et après, la gestion interne est différente. Kota, Katsuyu? Suki. Suki, ah, Suki, Kotai. Suki. Alors, je confonds les deux, mais c'est vrai que le Suki, il existe sec ou. Ils appellent sec ou mouillé. C'est un plat également délicieux. Many people like that. Yes, I know, it's very good. C'est délicieux. Elle dit que beaucoup de monde aime ça parmi les parents, elle veut dire, parmi les étrangers. Le principe dans ce restaurant, c'est de se servir au niveau des boissons. Généralement, les gens boivent de l'eau ici. Donc, vous avez de l'eau en bouteille, de l'eau potable en bouteille. Également des glaçons ici. Et chacun prend son verre propre, sa boisson, sa bouteille d'eau. Sinon, vous trouvez des bros sur les tables. Le balai des livreurs en scooter, Food Panda, Lineman, il y a aussi Crab. Je pense qu'ils sont au moins 5 ou 6 maintenant en service de livraison à Koh Samui. Voilà, si ça vous dit de déguster la délicieuse cuisine thaï, ça c'est du souki. Un plat sauté avec plein de légumes. Sawadeeka. Sabaydemaika. Ah, c'est sa petite fille, elle a 3 ans. Je l'ai vue tout bébé, ça fait drôle. Sawadeeka. Chop. Chocolate. Chop mine. Non, c'est thai. Voilà, mon plat va être préparé avec du gingembre, de l'oignon frais. Du king. Ça c'est délicieux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est absolument délicieux. Alors, le gingembre apporte un délicieux petit goût poivré et des saveurs vraiment superbes. Alors, elle a mis de l'oignon frais, elle est en train de mettre de l'oignon, des champignons oreilles. Ici. Quand on n'a pas l'habitude au départ, on se dit que c'est un peu gélifié, c'est un peu bizarre. Mais en fait, ça apporte vraiment un goût délicieux. Tu as l'air. Tu as Emma. Voilà, elle est en train de s'occuper de mon plat. Un délicieux kai pad king. Elle ajoute maintenant petit à petit les différents ingrédients qu'elle a préparés, c'est-à-dire les oignons, les gingembres. Et puis tout le reste des ingrédients, c'est-à-dire les champignons oreilles, les oignons frais, un petit peu de sauce à huître, un petit peu de sel. De la sauce soja, de la sauce poisson. Bon, c'est ça.
That's it, Noika. Taika. Voilà, c'est sauté en quelques secondes. Et en fait, en moins de 2 minutes, le plat est préparé. Et c'est une pure délice. Un peu de riz. Environ 2 cuillères. Alors là, c'est un takeaway, hein, sinon elle le sert à l'assiette. Et là, elle met tout dessus ou sur le côté. Un œuf au plat, par-dessus. Et chaika. Chapmak. Voilà, mon plat est prêt. Elle m'a demandé si je voulais de la soupe. Et je lui ai dit avec enthousiasme que j'en voulais. Soupe sans chaika. Et voilà, 60 bahts. Comme vous voyez, c'est vraiment l'heure de pointe. C'est un restaurant particulièrement réputé. Sawadika. Toutes les personnes qui sont en activité s'arrêtent là pour manger. Kapunka. Oh, merci. Put pasa charan sedai mai? No, a little bit. Ah. You can speak English? Oh, put pasa English dai nid noi. Oh, mengen kan tengen. I speak your language is a little bit. Okay. What? That's Maxi. Bonjour, kebong talibu, Maxi bugu, sawa, kamsi kamsa. Oh, beautiful. Oh, put pasa charan sedai. Congratulations. Thank you. Bye bye. Voilà mon petit endroit secret. Un conseil, évitez de venir entre 12h et 13h. Vous reconnaîtrez ce panneau pour entrer dans son établissement qui se trouve sur la route qui mène à l'aéroport entre Bixi, le Bandod Hospital, et l'aéroport. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose d'ajouter un pouce bleu, un like. Vous savez que c'est très important pour le référencement de cette vidéo, pour la partager avec d'autres personnes. Je vous remercie pour vos encouragements et vos commentaires et je vous dis à bientôt. Bye bye.